Ah, franchement, on sera 30, allez, 30, 32, allez, mais 30. Mais va te pendre, ah. Allez, va te pendre. Va te pendre. C'est Coé, c'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Le Coé s'en charge, Dourdine doit demander. Et après, on attaque le dossier de ce soir sur la chirurgie esthétique. Oui. D'accord, vous nous raconterez ceux qui ont bien fait de le faire, ceux qui arrêtent, etc., etc., etc. Nourdine, je rappelle les faits pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tu as demandé la meilleure amie à ton la maison à ton pote qui a une piscine. Mmh. Nourdine. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Vous avez dit que vous étiez trois. Il a peur du Covid, tout ça, les règles sanitaires. Vous êtes 30. Il y a quelqu'un qui a proposé une idée dans le chat de dire que tu avais oublié le zéro. C'était 30, en fait. Je te l'avais dit. Moi, je pense. J'ai oublié de mettre un zéro. Je pense. Est-ce que tu veux que je dise bonjour au début ou t'enchaînes derrière? Ouais, je préfère que tu commences, toi. Allez. Allez. C'est quoi? Je vais dire que c'est. Avoir des potes, c'est. C'est comme ça, c'est fort. On va dire que c'est notre nouvelle émission, Un ami pour la vie. Ouais. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ensemble. Ouais, amis. Allô? Oui. Ouais. Fouad. Salut, c'est Fouad? Oui, c'est moi. C'est salut, qui c'est Coé, oui. On est sur Énergie. Salut Coé. Ah bah salut, ouais, salut Fouad. Ça va, t'es en forme? C'est une blague. Non, pas du tout, tout va bien. Ah bah ouais, de toute façon c'est ta voix. Alors, bah oui, bah c'est oui, ta voix, oui, c'est bien toi. Fouad, je t'explique, on est en pleine émission, on a un dossier ce soir qui s'appelle L'amitié. J'ai un meilleur pote. C'est l'amitié, l'amitié, l'amitié. Et on a eu un message de quelqu'un qui nous a parlé de toi en disant c'est mon super pote. Qui ça peut être? Sébastien. Non. Alors, l'autre. Alexis. Toujours pas. L'autre. Nordin. Alors, nous on connaît Nourdine. Enfin, ouais, Nourdine, on l'appelle. Nordin. Vous l'appelez Nourdin. Oui. Nordin. C'est ultra, le prénom a été ultra francisé. Nourdine ah ouais, est Nordin. 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 D'accord. Ok, très bien. Okay. Alors, bon, en fait, c'est bon. Alors, effectivement, il est avec vous là. Alors oui, au bout de la troisième, c'était la bonne. Il est là. Nordine, tu peux dire bonjour. Enfin, Nordin. Pardon. Nordin. Ouais, bonjour. Ça va les gars? Salam Nordin, ça va quoi? Salam Nordin. Ça va et toi? Salam Nordin. Ah, t'étais pas obligé de le dire, hein, ça. Hein. Salam Nordin. Ah, le blague. Nordin, c'est mignon. Ouais, ouais. Pourquoi tu l'appelles Nordin? Ça, c'est de la balle. Pourquoi tu l'appelles Nordin? Nordin, parce qu'il est dingue, donc Nordingue. Nordingue. Ah, d'accord. Ok, bon. Dis-moi, alors, par amitié, l'un ouais. pour l'autre, qu'est-ce que Nordingue a déjà fait pour toi, par exemple? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ouais, dans les années passées, est-ce que il a fait un truc? Il était là quand déjà, t'as perdu déjà, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes les meilleurs poteaux? Ouais, ça fait des années. Troisième après Sébastien poteau. Et Alexis. Et Alexis. Ouais. Bah, on est un trio en fait, on est toujours ensemble. Donc Sébastien, Alexis, Nordingue, on est toujours ensemble. Et toi, ça fait ouais. un quatuor, les gars. Ça fait un trio. Ça fait un ouais, trio voilà. à quatre. Ouais, tu m'as compris. Ouais, t'es nul à l'école déjà. Hein. Et il a toujours été là des fois quand t'avais des galères, des problèmes de nana ou autre? Bah, à l'époque, ouais, une anecdote. Non, par exemple. Oui. Ouais, bah, une fois, il m'a mis un plein d'essence quand j'étais en galère avant d'ouvrir ma boîte. Ça, c'est sympa. Ouais, ouais. Ouais, il m'a mis un plein d'essence. Il m'a rempli mon frigo aussi quand j'étais vraiment en galère. Ça, c'est pas Sébastien Alexis qui aurait fait ça, mais bon. Et toi, en échange, est-ce que t'as déjà fait un truc pour lui? Détrompe-toi, Coé. Sébastien, Alexis, pareil. Ils ont toujours été là quand j'avais besoin d'eux. Quoi. D'accord. T'as plein d'essence dans la voiture. Et comme disait, trop d'essence, les gars. Ça déborde. Ouais, mais maintenant, le problème, c'est que vu que j'ai ma boîte et que bon, mon entreprise tourne bien, ils sont toujours là à me solliciter maintenant. Ah bah oui. Voilà. Bah oui. Pas oublier les copains du départ. Alors, et toi, qu'est-ce que t'as déjà fait pour lui? Ah bah moi, je lui laisse ma voiture quasiment tous les week-ends. Pour Nordin ou pour... Pour Nordin, par exemple, là, ce que t'as pu faire récemment ou dans les jours qui viennent. Nordin, c'est souvent la voiture. J'ai une belle voiture et il aime bien me l'emprunter. D'accord. Et là, il organiserait pas un petit truc Si, ouais, apparemment ce week-end, il a un truc, il a un barbecue, apparemment très bien. Et tu lui prêtes ta maison avec ta piscine. Voilà, c'est ça. Voilà. Bravo, c'est beau l'amitié. T'es un vrai pote. Sympa, Nordin. Voilà. Sympa. Bah, mais il doit y avoir un mail, là, je suis sûr. Non. Pourquoi? Combien ils vont être? Il m'a dit deux couples, donc quatre. Ouais. Okay. Alors c'est là qu'il y a un mais. Mais voilà, c'est bien ce que je disais. Qu'est-ce qui est arrivé celui-là? Et je le savais. Dis-moi, c'est quoi? C'est il compte ramener plus de gens? Alors.
Qu'est-ce qui... les invitations sont lancées. Non, mais parce que c'est vraiment Nordine qui est capable de faire ça, quoi. Alors... Sébastien Alexis, à la limite, je peux... C'est plus Nordingue, là. Là, ça redevient Nordine. Si je te dis, ils sont pas 4, mais ils sont 8. Ah, 8, avec le Covid, déjà, moi, je suis quelqu'un très pointilleux, très... Ouais. 8, ça fait beaucoup. S'ils ont un test PCR... Personne ne se fait un test PCR pour manger une brochette. Non, mais il est pire qu'au restaurant, lui. S'ils sont vaccinés, ça me dérange. S'ils sont vaccinés, je veux pas de cluster à la maison, quoi. S'ils ont leur QR code, c'est bon. Non, mais après, s'ils sont 8. C'est vrai que 8, c'est beaucoup, non, quand même. 8, ça passe. Non, 8, ça passe. 8, la maison est grande. Ça passe. Non, 8, ça passe. S'ils sont pas 8, 18. Mais ils sont 16. Non, là, c'est mort. Non, c'est même pas la peine. Ah, on fera attention, t'inquiète. Non, mais s'ils sont 16... Attends, Nordina, mais dis-moi la vérité. Attends, laisse-moi négocier, après je vous laisse. S'ils sont 16, mais vaccinés. Ah ouais, 16 négatifs. Non, 16 vaccinés, c'est bon, ça passe. Ah, bah voilà. C'est bien. Et 6... Non, moi, c'est vraiment par rapport au Covid. Je veux pas, que chez moi, ce soit un... S'il y a un cas compté, t'as raison. Donc, c'est pas le nombre. Ah si, le nombre aussi, ça me dérange. S'ils sont pas 16, mais 32... Ah, mais c'est même pas la peine. Même si ils sont vaccinés Pfizer, AstraZeneca, c'est même pas la peine. Ah, même 32 négatifs. Non. Bah, après, ils vont foutre le bordel. À la limite, tu mets t'achètes des petits cerceaux et tu les répartis un peu partout sur ta terrasse pour qu'ils s'approchent à plus d'un mètre. Exactement. Apparemment, t'as une grande maison. Tu crées une distanciation, c'est bien. Non. Chez moi, c'est pas Coachella, c'est pas. c'est pas Coachella. On fait pas de concert. Et si on vide la piscine et qu'on met que du gel hydroalcoolique, et comme ça les gens ils doivent plonger dedans à chaque fois. Ouais, ça je veux bien ça, mais que Nordine alors. Et à poil. Ouais, mais on peut pas annuler, tu t'imagines, j'annule tout le monde, c'est mort. Parlez-vous. Non, mais vous serez combien, 8 ou 16? Franchement 32. Non, franchement, on sera 30, allez, 30, 32, allez, mais 30. Va te pendre. Elle est où l'amitié? Ah, tu lui disais qu'on était des potes, elle est où l'amitié? Mais toi, je peux pas annuler, c'est mort. Mais toi, t'as craqué, 30, 32 dans la baraque, la piscine, je viens de la refaire à neuf. Justement. Et alors, tu crois on est des animaux, quoi, on va faire attention. Ah, c'est ça le problème, vous êtes des animaux. Je vais pas te laisser la maison. Non, écoute-moi. Écoute, fais-moi confiance, écoute. Non, arrête d'insister, c'est mort, je vais pas te laisser la maison à 32 bonhommes dans ma baraque, t'es malade ou quoi? Déjà, il y aura des nanas aussi, donc c'est ça aussi. Oui, bah raison de plus, je veux pas que ce soit... Non, mais t'inquiète, là, déjà les 3/4 sont vaccinés. Déjà, tu peux être sûr, à 200% sont vaccinés, 3/4. Non, c'est mort, cherche même pas, c'est même pas la peine. T'as déjà oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Ouais, un plein d'essence. Ouais, alors ça vaut bien 30 personnes à la maison. Ouais, mais non, désolé, hein, c'est même pas la peine de rêver. N'y pense même pas. Moi, j'ai honte d'annuler, c'est mort. Ah non, mais t'annules. T'envoies des faire-part à chacun de tes convives. Et tu leur dis, c'est pas la peine de venir, mon pote m'a repris les clés de la maison, tout simplement. Mais c'est mort, ils vont venir quand même, ils vont pas me croire. C'est trop tard. C'est mort, ils ont l'adresse, ils ont tout. 32 personnes, vous comptez faire quoi? C'est quoi? Attends, ils ont déjà acheté les viandes et tout, les boissons, t'imagines? Non, je m'en fous, je suis désolé, non, t'annules tout, c'est même pas la peine. Super l'amitié, hein. 8 personnes vaccinées, je veux bien, mais 32, faut pas abuser non plus. Tu vois, après, trop bon, trop con, hein. Arrête, Nordine, déjà, tu m'as claqué le Porsche la semaine dernière, je t'ai rien dit. Ah oui, tu m'as claqué le Porsche. Ça pardonne pas. Ouais, c'était juste le pare-choc, c'est rien. Ouais, bah voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire à la baraque? C'est toujours rien. Qu'est-ce que tu vas faire à la baraque? C'est pas ta bagnole. Ouais, tu m'offrais de la société les réparations, c'est rien. Ouais, oui. Ouais. Excuse-moi, 32 personnes. Super l'amitié. Il y a quoi d'autre à annoncer? Il y a quoi? Non, c'est tout, c'est 32 personnes dimanche. C'est déjà pas mal, hein. Tu peux dire au revoir à ta soirée. Appelle tous tes invités. Mais imagine, tout le monde m'a validé la soirée. Tout le monde m'a annulé. Tout le monde m'a. C'est pas la peine. Tout le monde a validé la soirée, tout le monde est content, tout le monde m'a envoyé un message pour dire merci. Je vais les appeler un par un. Mais c'est toi le dingue, là, c'est pas moi. C'est pas moi le dingue, c'est toi. Putain, la baraque, je continue de la payer et le mec, il veut me la bouffer en un week-end. Arrête, mec. Attends, je veux bien être ton pote, je veux bien être gentil, je t'ai rendu pas mal de services. Tu m'as éclaté le Porsche la semaine dernière et là, tu veux me niquer encore ma baraque. Arrête, tu veux quoi? Tu veux ma femme, mes enfants? Arrête, frère. Ah, il y a une limite. Franchement, t'abuses, hein. Moi, franchement, j'aurais pas réagi comme toi. Surtout qu'apparemment il a déjà payé pour l'allocation des 2 kilos de son qui arrivent avec le DJ. Ouais, parce qu'il y a le son. Oui. Et les lumières et tout. Eh bah j'espère qu'il va lui sauter son chèque de caution. Voilà.
Non mais sur Foued, tu pourrais faire un effort. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Oui, je veux bien. Bah, Sébastien et Alexis aussi ont fait beaucoup de choses pour moi. Et c'est pas pour autant qu'ils me demandent la baraque. Et en plus de ça, il y a du Covid. Ils vont foutre le bordel. Ils vont servir dans mon frigo. Ils vont tout casser le mobilier. C'est pas la peine. Mais pourquoi tu veux qu'ils cassent le mobilier? Pourquoi? Tu changes pas de maison à chaque fois qu'on fait un barbecue quand même? Ah non, oui. À 30 personnes, les gars. C'est beaucoup. Ça, on n'est pas des sauvages quand même. Franchement, t'as pas de couilles pour passer par Coé à un ordinateur. T'aurais pu m'appeler. Hein. Non, mais je te l'aurais dit directement. J'aurais même pas fini ma première phrase. Tu m'aurais dit non. T'as pas de couilles. Pourquoi tu dis ça devant toute la France? Tu penses que parce que toute la France t'écoute, je vais être plus indulgent et je vais dire oui, y a pas de problème, c'est bon, bah je peux participer à la soirée. C'est ça d'être pote, hein. C'est ça d'être pote. Ouais, c'est ça d'être pote. Mais justement, quand on est pote, on se respecte. Et là, je te demande de me respecter. Mais je te respecte. C'est juste voilà, j'ai oublié un zéro, quoi. C'est tout. Je t'ai dit. 3 ou 30. C'est de 3 à 30. C'est rien. Non. T'es la meilleure. Franchement, tous les services que je t'ai rendus, t'as déjà oublié. Franchement, Ordine, tu commences à m'énerver. Là, tu commences vraiment à m'énerver. De toute façon, regarde, c'est quoi? J'arrive tout de suite, je vais récupérer les clés. Bah, je suis pas là, de toute façon. Comment ça, je suis pas là? Je suis pas là. Je suis caché. Ah putain, vas-y, bah, j'arrive. Personne. Viens me chercher. Ah, il est parti. Nordine. Oh merde, il arrive. Oui. Voilà. Il débarque. Il y a Fouette qui arrive. Non mais il va se calmer sur le chemin, il va mettre un peu la clim et il va se calmer. Tu nous raconteras lundi comment s'est passé ce barbecue. Ouais. Allez, vas-y, ok. On a envie de savoir. Ok. Je vous enverrai des photos. Ça sent pas la fête. Non, pas là. Ciao Nordine, je te fais un bisou. Merci à vous. À bientôt.